tout de suite. On va partir du côté du 200 mètres avec la grande finale chez les cadets. On retrouvera notamment, voilà, vous le voyez à l'écran, au couloir 4, Alban Fleury, mais également Mathias Pognon, couloir 1 pour Dreux. Lukman Keita pour Le Havre, au couloir 2. Matteo Lorusso, le coureur de 400 mètres, au couloir 3 pour Montpellier. Alban Fleury, donc pour Cosen Athlétisme. Hugo Rimbert pour le Savant Loiret Athletic Club. Sacha Courtaillac qui est monté sur le podium 100 mètres pour Le Havre en Brest. Valentin Brault pour Matic Sport Athlé que vous voyez à l'écran. Et enfin pour Caen Athletic Club, Colin Lobrega. Pour le moment, seul Matteo Lorusso de Montpellier est passé sous les 22 cette année. Il a la faveur des pronostics, mais on gardera également un œil sur Sacha Courtaillac qui a réalisé 22.05 cette année. Alban Fleury 22.11, Hugo Rimbert 22.15. Ça va être très très serré dans cette finale du 200 mètres cadet. Et le meilleur départ, Matteo Lorusso qui a eu un parti, qui revient déjà sur Alban Fleury. Également un bon départ d'Hugo Rimbert. Hugo Rimbert, Matteo Lorusso. Matteo Lorusso qui déboule en tête. Peut-être Hugo Rimbert également. Matteo Lorusso toujours en tête, Hugo Rimbert, Matteo Lorusso. Et c'est Matteo Lorusso qui s'impose dans cette finale du 200 mètres. Il bat son record. 21,98, on va attendre le temps corrigé, en plus le vent est défavorable. Matteo Lorusso sélectionné la semaine prochaine au championnat d'Europe Junior sur les 4x400, voilà, qui bat son record en 21,95 à l'issue d'une course maîtrisée avec un bon départ. Il a réalisé, il est revenu rapidement sur Alban Fleury. 22,04 pour Hugo Rimbert et 22-12 pour Alban Fleury, donc les trois favoris n'ont pas déçu. 22-15 pour Sacha Courtaillac, 22-36 pour Valentin Brault, 22-40 pour Colin Lobrega, 22-47 pour Lukman Keita, et enfin la 8ème place pour Mathias Pognon qui était couloir 1 en 22-68. Voilà, très belle victoire de Matteo Lorusso, le Montpellierain, en 21-95 dans la finale du 200 mètres cadet masculin. Thank you.